Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul action. J'ai trouvé des petites nouveautés, du coup, je vous fais la petite vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. On va regarder du coup les petits achats tout de suite. Dans un premier temps, j'ai trouvé. Alors, je pense que c'est ça. C'est un. J'ai trouvé cette petite chose-là. Il y avait plusieurs senteurs, on va dire. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testées. C'est le body crème vegan body love exotique dragon fruity. C'était à 1,59€. Donc en fait c'est une crème pour le corps. Crème fouettée pour le corps, formule végétarienne pour peau normale. Pour peau normale. Voilà. Donc j'ai hâte de tester ça. En plus le petit pot est vachement sympa. Bon bah forcément ça attire l'œil, donc ça donne envie d'acheter. Action sont très forts pour ça. Ensuite, hein, ils avaient commencé à mettre un petit peu les collections de packs. Du coup, je me suis pris un petit œuf comme ça, tout simplement, voilà, qui s'illumine. Ah oui, c'est parce qu'il y a le petit truc, donc ça ne fonctionne pas. Mais il y avait plusieurs couleurs, il y avait plusieurs modèles, mais du coup, j'en ai pris un comme ça. Il était à 86 centimes, donc ça va. Ensuite, j'ai pris le petit parfum comme ça, parce que c'est pareil, ils commençaient à mettre les collections de Saint-Valentin, vu que c'est bientôt. Et du coup j'en ai pris un comme ça, il y en avait plusieurs, en fait c'est des petits cœurs et hop, vous les ouvrez comme ça. Et c'était au prix, donc là c'est Figency, enfin je sais pas, en tout cas ça sent très bon. C'était à 1,49€, donc voilà, il y en avait plusieurs, donc du coup je me suis laissée tenter, j'ai trouvé ça trop mignon comme d'habitude. Ensuite, j'ai repris des petites lingettes comme ça, démaquillantes, mais c'est plus pour enlever les swatchs, hein, parce que je me démaquille pas du tout avec des lingettes. Donc c'est les Alvira par 25, tout simplement. Elles étaient au prix de 59 centimes. Ensuite, j'ai trouvé un petit set comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos actions, je pense que c'est nouveau. À 1,99€, du coup, c'est un set de 5 pinceaux en silicone. Et c'est vrai que j'en ai pas des pinceaux comme ça. Et je me dis pourquoi pas quand j'ai des paillettes ou des choses comme ça à poser sur la paupière, tout simplement. Donc, du coup, voilà, je vais tester. C'était vraiment pas cher, 1,99€. Et encore une fois, le packaging, voilà, donnait envie attire l'œil. Hein. Donc, voilà. Ensuite. Donc j'ai repris mes bougies parce que je les ai pas trouvées, enfin je les trouve pas tout le temps et là du coup j'en ai trouvé donc je les ai reprises. C'est mes grosses bougies, je sais pas si vous avez vu mon vlog de Noël, du coup je vous montre que j'en ai deux sur ma table et comme elles commencent à être terminées, du coup je les ai repris. Ça sent pas forcément, l'odeur est pas, bon, ça sent pas grand chose on va dire, mais après c'est plus pour le petit brin de chaleur et puis la déco, hein, tout simplement. Elles sont au prix de 6,95€, donc je trouve que ça va parce qu'il y a quand même un gros volume. Enfin, elles sont assez lourdes. Et même au niveau déco, franchement, ça fait super sympa. Donc franchement, je trouve qu'elles sont très bien. J'ai vu qu'il y en avait en verte, blanche, rouge, je crois. Mais moi, dans mon action, en général, il n'y a que du noir. Voilà. Je n'ai pas trouvé d'autres couleurs pour l'instant. Après, c'est celle que je privilégie par rapport à la déco, donc c'est très bien. Donc du coup, j'en ai pris deux comme ça. Et ensuite, j'ai pris, parce que j'avais plus d'eau micellaire, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, de la marque Alvira. C'est l'eau micellaire démaquillante pour peau sensible. Et du coup, elle est au prix de 1,99€. Il y a 400 ml dedans. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne, mais c'est vrai que j'ai testé le gommage pour le visage de la marque Alvira, que j'aime beaucoup. Donc je me suis laissée tenter. Il y en a une autre, je crois que elle est bleue. C'est plutôt le tonique, mais ça j'ai l'eau de rose de chez Action. Donc du coup je me suis plutôt dirigée vers celle-ci. Donc je vous en dirai des nouvelles dans mes produits terminés. Et pour finir, j'ai pris un shampoing sec. Parce qu'avec la reprise du boulot, c'est vrai que des fois, il y a des matins, j'ai pas forcément le temps de me laver les cheveux. Et comme depuis le confinement, c'est vrai que je me lave. Il faut dire qu'avant le confinement, et ça c'est pas du tout bien, hein, ne faites pas comme moi, je me lavais les cheveux tous les jours. Et ça c'est une catastrophe, honnêtement. Et c'est vrai que le premier confinement, du coup, bah forcément, on restait chez nous, pas grand chose à faire. Donc je me lavais pas forcément les cheveux, et en fait j'ai pris cette habitude de me laver les cheveux tous les 4 jours, 5 jours, ça dépend. Et du coup, voilà. Et en plus, j'ai vu que la différence, que ça leur a fait du bien, que voilà. Donc je reste sur ce rythme-là. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'ai jamais tenté le shampoing sec. Je suis pas forcément pour, mais je pense que ça peut être quand même une bonne, voilà, un bon juste milieu en cas de besoin. Donc, il est au prix de 1,79€. Celui-ci, c'est de la marque The Beauty Department.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez. Moi, du coup, ça va être ma nouveauté 2021, je vais me mettre au shampoing sec. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne. C'est vrai que c'est une nouveauté pour moi, mais je pense que voilà. En cas de besoin, ça peut être quand même très pratique. Écoutez, c'est tout pour moi l'action. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Il n'y a pas grand-chose en ce moment. Voilà, je pense qu'il va y avoir des petites nouveautés comme il y a la Saint-Valentin et Pâques. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire en plus de ce que j'ai trouvé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et bien sûr, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.